Françoise Hardy. Un temps que son ami Jean-Marie Perrier donne des nouvelles rassurantes sur sa santé. Il a photographié pratiquement tous ceux qui chantent. À presque 79 ans, Jean-Marie Perrier s'est fait beaucoup d'amis, de Mick Jagger en passant par Johnny Hallyday, lors de sa longue carrière. Au premier rang, Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Il fut en effet le compagnon de celle-ci, avant de devenir un très proche du premier. Tandis qu'il expose ses œuvres à partir du 15 janvier sur le toit de la Grande Arche de la Défense, il se souvient dans Gala, « Nous nous sommes séparés très gentiment avec Françoise et, un an plus tard, elle m'a présenté Dutronc. Je suis tombé fou amoureux de lui. » Au final, j'ai passé beaucoup plus de temps avec Jacques qu'avec elle. C'est d'ailleurs Françoise Hardy qui figure sur l'affiche de son exposition. La raison / parce que je l'aime, parce que c'est ma famille. Avec Sylvie Vartan, c'est ma plus ancienne amie. Françoise a énormément compté dans ma vie. Le photographe poursuit, toujours au sujet de Françoise Hardy, je l'ai vue très récemment. Même si elle a des soucis de santé en ce moment, elle ne veut jamais rien montrer comme d'habitude. Elle était coiffée, habillée et elle a parlé pendant 2 heures et c'est un temps / Pour rappel, la chanteuse a frôlé la mort en 2015 après une chute à l'hôpital, alors qu'elle se démenait déjà avec son cancer du système lymphatique.